Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Merde, les trinitaires, planque-toi. Merde. C'est coincé. Je vois ça. Reste derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ? Recule, cache-toi. C'est toi l'expert en logistique, non ? C'est pas moi qui me suis engagé sur un peu de pourri. Oh, une seconde ! Je m'en occupe ! Pas besoin, c'est mes alliés. Reste vigilant. Quelqu'un devrait jeter un œil. Je m'en charge. Quelqu'un devrait jeter un œil. Je m'en charge. Installe ça là. Je veux que personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. S'il y a quelque chose, on finira par le trouver. Ça remonte à quand, sa dernière révision ? C'est tout rouillé. On cherche au juste. Tout ce qui bouge. Il y a aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette relique. Si ça se trouve, je vais tomber dessus. Je te souhaite pas. Pourquoi pas ? C'est un héros. Tu serais mort, surtout. Tu ne parles qu'une chance. Je préfère rester là, surveiller la zone. Taisez-vous et chassez, messieurs. Mettez-vous un peu le cul. Oui, chef. Calme. Elle fait quoi, ton équipe ? Je vais voir. Elle est pépa pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines. Attends. Qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on le bouge. On va devoir renforcer le pont. On aura du mal à trouver un truc assez solide. Pourquoi t'as pas fait un test, comme je te disais ? Ah, c'est le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Mon coin à gauche. Je vais m'occuper d'eux. C'est quoi ? Plante-toi ! Dev ! Samy ! Ah, c'est deep. Je leur ai dit de commencer par le pont. Non mais putain ! Dev ! Tout de suite! Putain! Ne bouge pas! Merci, ça va? Ouais, prends ça! J'espère qu'on sera tranquille. C'était moins une. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici ? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. Oh, j'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris. J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Les éruptions volcaniques, les tempêtes. Et d'autres choses.
ça a marché. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit? Comment vous avez atterri jusqu'ici? Vous avez perdu votre groupe de touristes? Non. On n'est pas vraiment en touriste. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, 3. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement ? On suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure? Oh, il faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue? Non, c'est elle l'archéologue, moi je fais la popote. Vous avez déjà essayé le ceviche local? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où cette photo? Au Mexique. Pourquoi? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça? Il y a des ruines pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Et si tu te reposais un peu? T'es sûr? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Un, deux. Ouais, c'est vraiment temps. Ouais, je crois que je comprends. Venez voir mes produits. Bonjour. Me dites rien, Omar vous envoie me menacer? Hors de question que je donne quoi que ce soit à ce connard. De quoi est-ce que vous parlez? De quoi je... désolé. J'ai vu l'arme et le couteau et j'ai cru que... Oubliez ça. Vous cherchez quelque chose de précis ou vous regardez juste? Vous vendez quoi? Ce que je vends. Vous êtes à Kouakiakou, l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud. Enfin, sur le papier, en théorie. Si il n'y avait pas les pillards. Exactement.
Omar et ses bandits aiment l'argent, pas l'histoire. J'ai des objets d'une grande importance culturelle à vendre. Ils sont abîmés, mais méritent d'être restaurés. Je vais vous montrer ce que je propose. Il y a quand même des choses intéressantes. Ouais. J'ai que... Ouais, je regardais juste. À très bientôt. Jonah, j'ai trouvé des ruines incas, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Ishel et Shakshel, les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est? Lara! Quoi? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Oh, s'il y a des choses intéressantes de l'autre côté. Jonah, j'ai trouvé un temple. Super! C'est pas vrai. Les trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Non, les suivre, ce sera pas un problème. Hein. Ça va devenir intéressant. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Les coupants, mais le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Le générateur encore ? Je vais voir. Thank you.
commence à perdre patience là. Ça fait deux personnes. Silence, voilà comment on perd en silence. Lara, est-ce que ça va? Oui, il y a une base des Trinitaires ici. Du con. Je te demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. Presque fait. Tous les points d'accès sont couverts et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. On perd du monde. Bien reçu. On tire à vue. Là, négatif. Rien par ici. Elle finira bien par se montrer. Groupé. Là, peut-être. J'y crois pas. Voilà, j'ai mal joué, hein, franchement. Je vais te faire la peau. Qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. J'ai vraiment horreur de cet endroit. On dirait une ville fantôme. Tu crois qu'il s'est passé quoi ici? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi? Y'a rien du tout là. C'est bien sûr ça. On cherchait quelque chose. Ils l'ont peut-être trouvé, mais c'était pas ce qu'on pensait. Laissez faire les éclaireurs.
Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la bague. Ils vont découvrir comment accéder à la cité perdue. Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ishel sur la gauche, Shakshel sur la droite. Quelque chose. Je devrais pouvoir ouvrir ces portes. Ouvrir ses portes. Je devrais pouvoir ouvrir ses portes. Trois symboles. Symbole. On reste calme. Je dois faire correspondre les symboles. Ah mais c'est trois là.
comprendre les symboles. Je dois faire correspondre les symboles. Ouais, ça j'ai compris. Que de bas. Ah bah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Oh bah attends, je m'ai vu. Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Ah ouais, y'a pas de soucis. Une barre, trois barres en haut. Ah non, c'est 4 barres en bas. En haut. Ah bah c'est ça, faut mettre. Ouais, y'a rien. Je pense que ça va être ça. Hé, hey, Jonah, comment ça se présente? Il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai deux dates ici. Et Ishell. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. La photo de Cozumel. Y'a peut-être un indice. Regardez sa photo là, mais putain, je comprends. Attends, j'ai...
moment, j'ai compris. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, deux points en haut. 7, je dirais. Merci. J'espère que c'est ça, hein. Par contre. Je devrais inspecter la porte de voilà. Putain d'énigme, hein. Jonah ? Salut Lara, c'est Abby. Oh, salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Oh, impossible de comprendre ce que je lis. Des piranhas, je crois, c'est des...
Désolé. Qui d'autre s'en est tiré? Ça, j'en sais rien. QG! Ici l'équipe Omicron. On est attaqué. QG, répondez! De nouveau? Silence! Faut que je me concentre. J'ai toujours pas... Ils sont là! Radio dans le crash. C'était quoi ça ?